m'asseoir? C'était sûr qu'on allait se tenir. Je m'appelle Julien Martineau. Toi? Catherine Martineau. T'as l'air de t'ennuyer déjà. Si tu veux savoir, je suis fâchée parce que ma meilleure amie Stéphanie a pas pu venir au camp avec moi. Elle a attrapé la picote, en plein été. Qu'est-ce que tu lis? Hey! Es-tu toujours aussi dangereuse? Tu te crois pas beaucoup d'amour au camp de vacances? Ah, excuse, mais tu vas pas en mourir. Toi aussi, t'aimes ça, les histoires de flibustiers? Ben, c'est pour ça que j'ai choisi les loulous. Hey, il paraît que notre camp est un lieu de rendez-vous des pirates. Des pirates? Salut, mon nom c'est Jujube. Une chance, ça n'existe plus de nos jours, les pirates. Parle pas trop vite. Je suis le pirate de l'île aux loups. Salut les jeunes. Moi, c'est Pierre Legrand. Je suis votre moniteur pour le séjour. Bienvenue à bord, Moussaillon. Ça, là, c'est la fameuse épave du bateau de Louis le Terrible. T'as l'air de bien le connaître. C'est un pirate célèbre. Il a coulé plusieurs navires pour amasser un trésor fabuleux. Un trésor! Il y en a encore qui essayent de trouver des pièces d'or. Depuis le temps, il ne doit plus rien rester. Mais c'est une belle épave quand même. Bouf, j'en ai déjà vu des plus grandes. En Espagne, par exemple. À Saragosse. T'es déjà allé en Espagne? J'ai beaucoup voyagé. Mon père est ambassadeur. Ben, je croyais que Saragosse était au centre de l'Espagne. Ton épave a dû s'envoler bien haut, hein, pour faire un naufrage en plein milieu du pays. Il s'est trompé de ville, voyons. Moi, je le trouve tellement gentil. Il a des beaux yeux, tu trouves pas? Allez, Catherine. Je suis prise. Oh, c'est froid. Oh, c'est froid. L'épave est hors limite! C'est trop dangereux! Ah. Revenez! Chère Stéphanie, je crois que t'aimerais ça ici. Je me suis faite une nouvelle amie. Jujube. Elle est gentille. Mais elle prétend qu'un garçon qu'on a connu ici, Julien, est amoureux de moi. T'aimerais ses beaux yeux. Mais moi, je trouve que c'est un menteur qui arrête pas de se vanter. Je pense qu'il est amoureux de toi. Mais voyons, tu racontes n'importe quoi. Dis donc, Julien, veux-tu venir au cours de tir à l'arc demain? Hey, j'adore tir à l'arc. C'est une de mes spécialités. Bon, je pense que j'allais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Regarde, je viens de quitter les endroits où pouvait se trouver le trésor.
Hey, t'es pas sérieux, j'espère. Mais ces histoires de trésors, c'est rien que des histoires. Tu y crois vraiment à ce trésor? Mais disons que je suis curieux. Allez, les couche-tards, au lit! Oh. Le cours d'astronomie est tôt demain matin. C'est idiot d'aller à un observatoire en plein jour. C'est la nuit qu'il faut observer les étoiles. Moi, là, je vais y aller demain soir après tout le monde. Hey, es-tu sérieux? Tu vas y aller tout seul, en pleine nuit. Tu me crois pas? Non. Tu verras bien. Demain, là, après le coup d'astronomie, lise ton chandail, je vais te le rapporter. Alors, en position E, la 6IJ, la partie éclairée est visible totalement. La Lune est alors dite en opposition. Et nous, on appelle ça ben, la pleine Lune. Ben, le cours est terminé. C'est beau, vous pouvez y aller. Le cours est terminé, Catherine? Oui. J'espère que t'es meilleure à l'observation des étoiles qu'au tir à l'arc. Hein? Puis oublie pas mon chandail. Allons, t'en fais pas. Il va revenir. Ben quoi? Veux-tu bien arrêter tes histoires? Je suis pas amoureuse de Julien, compris? Mais alors, pourquoi vous dites des secrets? Jamais ce que j'ai vu. Des étoiles, je suppose? Il y avait des plongeurs près de l'épave en pleine nuit. T'es pas tanné de mentir. Mais c'est vrai. Ils étaient trois. Comment veux-tu que je te croie? Et ton chandail? Oui, mais... Mais ça, c'est pas une preuve que t'as vu des plongeurs. Tu vas voir. J'ai pris des photos. Mais crois-tu que ces hommes ont découvert le trésor de l'épave? Mais pour quelle autre raison ils iraient rôder autour en pleine nuit? Salut! Vous venez pas déjeuner? Ouh, c'est un peu frisqué la campagne le matin. Mais mon couvent, moi j'ai plutôt chaud. Oh merci, Julien! T'es vraiment gentil! Je vais vous garder une place à la cantine. Allez, vous deux! Ah,
Encore en train de lambiner. Ben non. Allez. Jessie, j'ai une idée. Ce soir, tout le monde va être occupé pour le grand jeu de nuit. C'est le moment idéal pour aller inspecter l'épave en secret. En attendant, je pense qu'on devrait aussi aller rendre visite au vieux monsieur Alphonse. Le guide de l'île? Ouais. T'as raison. Si quelqu'un connaît bien l'épave, c'est bien lui. Je l'aurais découvert, ce trésor, s'il existait. Avez-vous déjà vu des gens visiter l'épave la nuit? Non. Et je les entendrai. Et je les recevrai avec la carabine. Donc, croyez-moi, les enfants, rien ne m'échappe.